est dans un mouillage super calme, on n'a pas vu ça depuis le début. Quelle douceur de vivre ici. Ouais. Après tout ce qu'on a connu, c'est tout calme, tout paisible, tout doux. Alors, ça fait quoi de cuisiner avec un calme? C'est bizarre, ça ne bouge pas. À tout moment, je m'attends à prendre des appuis pour contrebalancer le mouvement des vagues. Et il n'y a rien. Quel bonheur. C'est le bonheur. C'est tout calme ici. C'est à l'image de ce qu'on pensait avoir en fait pendant 15 jours et qu'on n'a jamais eu avant maintenant. Ouais. Voilà, c'est le dernier jour, enfin l'avant-dernier jour. Et on vit enfin ce pour quoi on était venu. Et ben. Ça se mérite, hein. Il a fallu passer ouais. quand même par des choses difficiles. Ouais, apprentissage accéléré sur tout le reste. Hein. Mais bon, pas de regrets, hein, parce qu'on a vécu plein de choses, mais c'était pas les vacances qu'on pensait vivre. Voilà, c'était autre chose. Et c'était un apprentissage intense, au final, qui nous servira pour la suite. Voilà. Ça arrive bientôt. On passe à table? Oui. On a faim? Après cette grande navigation de 4 heures en fait, non? 13h25. On a mis ouais, à peu près 4 heures. Hein, un peu, donc normal. On n'est pas descendu au-dessous de 8-9 nœuds, je crois. Non. On a fait donc, même une pointe à 10 nœuds. Ouais, donc c'était bien. Heureusement qu'il y a eu la musique hein, pour nous aider ouais. à passer les heures et pour nous rebooster un petit coup au moment où on commençait un aucun peu à bord à prendre, toujours ouais. le vent de travers. Et voilà, petit burritos. Express. Ce midi. On se croirait en vacances. Enfin. Enfin. Eh bien, bon appétit. Bon appétit à toi aussi. Bon burritos. Ah, c'est joli, c'est calme, Look. C'est beau. Ma salade. Allez, deuxième fournée de burritos. On voit toujours ce paysage magnifique. Ouais, mais qu'est-ce qu'on apprécie là. Ouais, après avoir été secoué dans tous les sens là, pendant combien de jours là, 12 jours bah, pratiquement. 13, c'est le premier jour calme, ensoleillé. Oui, ensoleillé. Au calme et ensoleillé que nous avons. Magnifique. Au final, il y aura eu 4 jours de beau. Hein. Bon, puis le jour d'arrivée, mais... C'était pas de peau. Voilà, et donc ils sont venus avec leur petit bateau pour payer les... Les frais de voyage. Enfin, la taxe. La taxe, ouais. Parce que ça leur coûte rien, c'est à nous que ça coûte. Ouais. 200 par personne. 200. Une petite salade de fruits. Heureux. Heureux, ça va, ça fait du bien. Une petite salade d'ananas et de banane. Enfin du calme là, waouh. Ça te dit? Oui. Alors on y va, bon appétit. Merci. Thank you.
fait du bien ce petit bain. Oui. On a l'impression d'être en vacances, hein, ça y est. Ouais, ça y est, ça commence. Ça commence quand ça finit. Quel dommage. Prêt pour la dernière navigation jusqu'au port? Oui. Oui. On va remonter l'ancre, on va faire tout au moteur parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Puis on va se reposer enfin, parce que c'était fatigant ces vacances quand même. Hein. Ouais. Mais avant de se reposer, un peu sur le bateau, puis après, il y a juste pas mal d'avions. Une nuit d'avion, etc. Voilà, allez, on va essayer d'apprécier ce dernier petit bout de navigation. En espérant que pour la dernière remontée d'encre, on n'ait pas un petit problème. Sinon, ça va prendre plus de temps. Oui. Comme ceux qui ont remonté un câble. Parce qu'on a vu nos voisins qui ont remonté un câble avec leur encre. Il y a toujours des surprises, en fait. Il n'y a pas que nous. Oh, on s'est brouillé, en plus. Ouais. Une arrivée sous la pluie à l'image du séjour. Dernière ligne droite. Les pare-battages sont mis. Les osières aussi. Et pareil. T'es sur 14? Ouais. Ok. Premier appel VHF du capitaine William. À Malure à la base Sunsail. Faut pas dire à vous. À Malure, à la base Sunsail, nous désespérons de recevoir une réponse. Les Fenders? À l'horizontale. Qui? Les Fenders. Mais quoi? C'est quoi les Fenders? C'est les pare-battages. Vous le mettez comment à l'horizontale? Oui, en français. Ah, plus haut, ouais. D'accord. Merci. Bon, on va tester, hein.
quand même un peu de vent. Hein. Après, il faudrait que tu ailles de l'autre côté pour me dire comment c'est là, parce que... Je vois rien du tout, hein. Épuisé. On est parti à minuit hier et il est 14h30. Voilà. Et plus 2 heures de décalage horaire. Ouais. Allez. Bravo. Et toi avec tes lunettes toutes mouillées, comment tu vas? Hein? Tu vois clair? Pas très. Ça passe. Attention à la tête, on est le deuxième, c'est bon. Allez, relève-toi et maintenant faut que tu passes au-dessus. Faut pas être trop vieux pour faire ça. Parce que quand on sera vieux, on n'y arrivera plus, c'est déjà dur là. Oh, aïe, aïe, aïe. On est des débutants, on a... Encore, allez, encore. Vas-y. Non, tu ne remontes pas, c'est bon, tu peux te remonter. C'est trop dur. J'y arrive pas. Elle est trop mal. Ah, pardon. Mais ça va trop vite. Ouais, c'est ce que je me disais. Je te filme, hein. Je crois que c'est... C'est trop haut ? Tire sur la corde verte. Ben, oh, ah, tirez. Non, c'est trop haut. Descends un peu. C'est bon. C'est dommage, c'est le moins réussi. Ouais, mais j'ai mal aux côtes. Ah, la vache, ça me fait mal aux côtes. Aïe, non, c'est trop mal. Bon, bah, il n'y a personne qui répond, alors... Je vise entre le rouge et le vert.